Bonjour tout le monde. Bienvenue. Pour l'instant, nous sommes quatre. Donc, on va attendre quelques minutes. Sophie est parmi nous. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On a fait des tests juste avant. Donc, voilà, tout fonctionne. Il n'y a aucun souci. Voilà, on va peut-être attendre un petit peu, peut-être 30 secondes. Et puis, on va commencer. Donc, j'espère que tout le monde va bien dans le contexte actuel. Voilà. Moi, je me présente. Je suis Nathalie Leneveu. Donc, je vais vous demander d'éteindre vos webcams, s'il vous plaît. Je suis Nathalie Leneveu. Je suis l'animatrice du collectif de la cartographie des talents pédagogiques. Merci. Voilà, j'anime depuis un peu plus de 3 ans maintenant ce collectif. Et donc, en fait, un petit peu l'histoire de ce webinaire, c'est que dans les premiers mails que j'ai envoyés donc au collectif suite à l'annonce du confinement, etc. Notamment, j'ai fait des demandes s'il y avait des enseignants qui avaient des retours d'expérience sur l'enseignement à distance, etc. Sophie m'a gentiment contactée pour me dire, bah oui, moi j'ai pas trop de temps tout de suite, mais par contre, oui, ça me ferait plaisir de partager mon expérience avec le collectif. Donc, c'est dans ce cadre-là que Sophie va nous faire un retour d'expérience tout de suite. Donc, voilà, je vais vous laisser entre ses mains. Le fonctionnement, un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Les micros et les caméras sont coupés volontairement parce qu'en fait, nous enregistrons ce webinaire et l'objectif, c'est de le diffuser ensuite dans l'onglet Revivre les événements du site internet cartotalent.fr. Voilà. Par contre, je vous invite dès maintenant à utiliser l'onglet Converser qui se trouve en bas de votre page. Donc voilà, votre écran Zoom, et à vous dire bonjour et à nous dire d'où vous venez, de quel établissement, peut-être qu'est-ce que vous enseignez, quelle discipline vous enseignez, si vous êtes conseiller ou ingénieur pédagogique ou conseillère ingénieur pédagogique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Ça permet aussi à Sophie de savoir qui est présent au webinaire. Et puis du coup, moi, je vais couper ma caméra et puis je vais nommer Sophie animatrice et je vais vous laisser entre ses mains. Donc voilà, et puis bien sûr, moi je reste avec vous et je vais gérer justement toutes les questions que vous pourrez indiquer dans le chat. Donc le fonctionnement un petit peu, c'est que Sophie va nous faire une présentation d'un peu plus de 20 minutes. On a un temps d'échange d'une heure. Grosso modo, ce que je vous invite à faire, c'est à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Donc voilà, je le verrai. Si vous avez la nécessité et si vous le souhaitez, je peux interrompre Sophie dans sa présentation si votre question est vraiment liée à quelque chose qu'elle vous présente au moment où vous m'interrompez et vous me sollicitez. Donc voilà, et sinon les présentations et les échanges et les questions se feront à la fin de la présentation. Moi je vous laisse en tête à tête avec Sophie. Sophie, Sophie Guichard, je Valide te que tu vois laisse. mon PowerPoint là? Oui, on le voit. Et donc Sophie, comme on l'a dit tout à l'heure, je te laisse te présenter et donc voilà, prendre les choses en main. Ça À plus marche, super, tard. je te remercie. Ouais, à plus tard, ouais. Du coup, je vais me présenter. Voilà, je vous ai fait un petit sketch note, je vous en parlerai plus tard. Donc, moi, je suis professeure agrégée de mathématiques. Je suis dans un lycée à Lyon et c'est un lycée qui fait aussi bien donc, de l'enseignement supérieur que du général. Et depuis le début de ma carrière, donc depuis 2003, j'ai toujours eu une classe de BTS. Et puis depuis 4 ans, j'ai vraiment que des classes de BTS. Et donc, du coup, je suis aussi la créatrice du site matenvideo.fr. Et je suis formatrice sur le numérique, aussi bien à la DAN, la DAFOP, qu'à l'Institut français de l'éducation et l'ENS. Je suis également formatrice autour du sketchnoting et de la pensée visuelle. Et puis, je fais partie aussi du groupe CANOE, qui veut dire Classe active numérique et outils éducatifs à l'Institut français de l'éducation. On est un groupe en recherche. Et on partage en fait tous, chacun, ce que l'on fait autour de l'utilisation des smartphones et du téléphone en classe. Et puis, je fais des conférences. Et c'est vrai que je suis référencée à Cartotalent parce que j'ai eu le certificat d'excellence au prix PEPS, en 2018. Voilà.
Donc ça, c'est pour qui je suis. Et du coup, mon envie, c'est effectivement de vous partager un retour de là, au bout de 3 semaines, de là où j'en suis avec l'enseignement à distance. Et je vais démarrer un peu avec ma casquette de formatrice parce qu'une des choses sur lesquelles je partage et j'accompagne sur le numérique quand je suis en formation, c'est de déjà réfléchir à quels sont mes besoins, mes problématiques personnellement, donc dans mon cadre, pour aller vers en fait la réflexion de quels sont les outils pour y répondre au mieux. Et en fait, pourquoi je partage ça? Parce que du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure des colloques et des formations que je fais que souvent, suite à des outils numériques dont on parle, on s'en saisit. Et en fait, ça ne marche pas ou ça ne répond pas parce que du coup, on les a questionnés à l'envers, en fait, pour moi. Et pour vous raconter un peu mon histoire, je vais le faire en 2 temps. Donc, je vais vous partager ce que j'ai mis en place avec mes élèves et qu'est-ce qui fait qu'il y a une continuité pédagogique. Ma problématique majeure, donc mon besoin majeur pour moi dans ma classe, et en particulier, c'est les BTS qui m'ont fait plus travailler, ça a été la gestion de l'hétérogénéité. Parce que imaginez que dans une classe de BTS, j'ai aussi bien des élèves de bac pro qu'avec des élèves de terminale, donc S ou technique, qu'avec des élèves d'IUT, DUT, voire des élèves de prépa. Donc, imaginez en bac, en maths, en tout cas, le grand écart entre un élève de bac pro avec un élève de prépa dans une même classe, en fait. Et donc, je cherchais vraiment des outils pour m'aider à gérer au mieux et faire que les meilleurs, entre guillemets, arrêtent de s'ennuyer et que ceux qui étaient en plus grande difficulté arrêtent de décrocher parce que c'était trop confrontant, le grand écart du miroir des autres, en fait. Et donc, du coup, j'ai commencé en 2012 à ouvrir une chaîne YouTube, à créer des vidéos. Et en 2014, donc c'est une version 2 parce que j'ai démarré avec l'utilisation facultative des vidéos en classe. Parce qu'en 2012, on ne parlait pas encore de la classe inversée. Et donc, en 2014, j'ai essayé de faire cette fameuse classe inversée avec, utilisation de la vidéo, études à la maison pour essayer de dégager du temps en classe. Et pour moi, avec qui je suis, avec le public que j'ai, avec les matériaux qu'on a, en fait, ça a été trop d'inconvénients et j'ai tenu 3 semaines avec mes élèves. Et donc, j'ai arrêté et j'ai trouvé que ça apportait trop d'inégalités, surtout au niveau technique, mais pas que. Mais au niveau technique des moyens, c'était, je trouve, le plus grand écart. Donc, sur matenvideo.fr, en fait, si vous allez taper 1944 dans la barre de recherche, vous trouverez un texte. Il y a tout un espace qui s'appelle espace pédagogique où je partage, en fait, mes réflexions, là où j'en suis, puis l'évolution de tout le projet que je mène. Et du coup, comme avec le numérique, il faut toujours un plan B. J'ai réfléchi à un plan B avec mes élèves, ce que j'ai appelé la classe numérique. Et du coup, le fonctionnement était le suivant. C'était de dire, vous allez faire tout en classe avec moi. Donc, au lieu de les emmener à étudier la vidéo, l'étude de la vidéo à la maison, j'ai décentré ça pour faire étude de la vidéo en classe. Donc déjà, j'ai une configuration de classe que j'ai mis en îlot avec un accès perpétuel aux ordinateurs et à une petite connexion Wi-Fi pour permettre déjà de réduire ce que j'avais compris et découvert sur le gap qui allait se créer au niveau de l'utilisation des outils numériques, et l'introduction aussi du téléphone et du smartphone mis au milieu de la table comme outil pédagogique. Et donc, le déroulé d'un cours va se passer entre 2 temps forts. Un où je demande que l'attention soit tournée vers le tableau et c'est moi qui mène la danse et ça dure à peu près une 20aine de minutes. Je peux pousser jusqu'à à peu près la moitié de la séance, mais j'essaye que ça ne dépasse pas la moitié de la séance. Et la deuxième partie où du coup, c'est les élèves qui vont être en autonomie de différentes manières et je vous expliquerai ça plus tard. Donc, pour vous détailler un peu ce qui va se passer dans le temps 1, où l'attention des élèves est tournée vers le tableau et où c'est moi qui mène encore un peu la danse, eh bien, il y a ce qu'on appelle, on a nommé un rituel, qui est que lorsque les élèves arrivent, je leur pose 3 questions sur la séance de cours précédente ou sur une séance très antérieure pour réactualiser le savoir, qu'on corrigera tous ensemble à la volée. Et ça me permet de faire des petits rappels de cours et des petites choses. Donc, l'idée, il y a ce premier temps-là. Et puis ça, en fait, mes élèves ont l'habitude que je le scanne et que je l'archive sur un Padlet. Donc du coup, ils vont pouvoir retrouver tous les rituels au fur et à mesure, parce que comme je veux qu'ils soient efficaces, en fait, je leur demande à ce qu'ils n'écrivent pas l'énoncié. Et du coup, ils répondent juste aux questions, mais pour pouvoir retravailler ça, ils peuvent retrouver l'archivage sur un Padlet, en fait. Et que j'utilise cette petite appli sur mon téléphone que j'aime bien et qui du coup là me sert tous les jours, en fait, qui est Clear Scanner, qui est un petit scan sur mon téléphone. Donc il suffit que je prenne une photo et du coup ça la scanne, je peux la recadrer, elle se remet joliment. Et surtout, si je prends en photo plusieurs images dans un dossier, en fait ça va me générer un PDF de toutes ces images. Donc ça, c'est un truc qui est super avantageux.
Et ça, c'est le premier point dans cette attention tournée au tableau. Et puis, la deuxième partie, c'est que je fais un point bilan, c'est-à-dire que j'explique à mon noyau classe. Donc là-dedans, il va y avoir des élèves qui sont plus en avance que d'autres, mais en même temps, je demande vraiment à ce que tout le monde participe pour échanger. Et c'est moi qui explique les deux ou trois notions que le groupe classe est en train d'étudier. Alors, ça peut ressembler à ça et ça va rester présent pendant toute la séance. Donc, ça peut être une carte mentale, ça peut être quelque chose de synthétique plus détaillé ou autre. J'essaie de varier aussi les présentations pour leur apprendre différentes manières de prendre des notes ou de consigner des synthèses. Et donc, l'élève, quand il va travailler dans la deuxième partie, il aura cet appui de ce qui est au tableau sur lequel il va pouvoir s'appuyer et il va avoir d'autres ressources pour pouvoir aller rechercher s'il n'a pas compris. Donc ça, c'est vraiment moi qui mène la danse pendant ce premier, un peu moins d'une moitié du temps. Dans la deuxième partie, en fait, les élèves vont être en autonomie. Donc, ils vont devoir, ils savent compléter le cours, chercher des exemples, faire des exercices. Ils peuvent collaborer. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi mis des îlots pour qu'ils puissent échanger, discuter, pour pouvoir compléter sur les choses qu'ils n'auraient pas compris. Ils doivent se corriger. Et c'est vraiment ça le gros noyau et le plus dur du travail de toute cette mise en place, de la mise en place de l'autonomie et de la responsabilisation dans son travail, c'est l'autocorrection. Au départ, les élèves, en fait, dans ce mode où, du coup, quand ils travaillent en autonomie, ils vont remplir le cours, mais ils ne font pas ce retour de travail sur eux parce qu'en fait, ils attendent que le prof corrige au tableau, sauf que moi, je ne corrige plus rien au tableau. Et ils savent qu'ils ont aussi une ressource en vidéo, en flashant des QR codes, je vais vous montrer comment c'est mis dans les structures de cours, sur lequel ils peuvent trouver la ressource. Et puis, les 5 dernières minutes, en général, du cours, je les fais s'arrêter dans leur recherche et je leur demande qu'ils consignent ce qu'ils ont retenu de la séance, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau, quelles sont leurs erreurs, qu'ils les listent, et puis, du coup, ce qu'ils en retiennent. Et là, moi, je me retire, je me recule et je suis vraiment l'idée de la dernière roue du carrosse. Ça me permet d'écouter, ça me permet de voir comment ils travaillent ensemble, comment ils collaborent. Ça me permet de pouvoir m'asseoir à ce côté de certains élèves pour remédier avec eux et pouvoir agir si j'entends ou si je vois qu'un élève est en difficulté. Mon support de fond, ça a été toute la création que j'ai mis en place. Donc ça, c'est le début de l'entête de Maths en vidéo. Donc il faut imaginer, en fait, si on remet ça dans le contexte, qu'en 2012, quand j'ai démarré, je n'avais pas de vidéo en française suffisamment explicite en maths pour des lycéens et pour des BTS. Pour des BTS, je trouvais des supports d'une heure d'enseignants à l'université, mais du coup, ça ne correspondait pas à ma demande. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je suis partie dans une histoire de créer et j'ai de la chance parce que la personne qui m'a fait mon site, elle a trouvé un process qui fait que quand je publie une vidéo sur mon site, je récupère un QR code que les élèves vont pouvoir flasher ainsi qu'un numéro qui, quand ils la rentrent dans la barre de recherche, sort la même vidéo. En fait. Et c'est vrai qu'au départ, on a réfléchi à une double entrée parce qu'en 2014, quand j'ai démarré sur ce mode d'introduction de la vidéo en classe, tous les élèves n'avaient pas de smartphone. Donc, j'avais besoin aussi d'avoir un moyen d'accès à la vidéo autre que par le téléphone. Donc voilà, donc aujourd'hui, des gens qui se lanceraient dans l'utilisation de la vidéo en classe, déjà, je leur inviterais à faire de la veille sur Internet et pas forcément d'être dans la création, même s'il y a un côté qui est grisant d'être dans la création. Et puis aussi parce que souvent j'entends, et ça c'est en tant que formatrice, des personnes dire « oui, mais moi je ne l'aurais pas expliqué comme ça, je ne l'aurais pas dit comme ça ». Et donc du coup, il y a des solutions dont la plateforme Edpuzzle pour mettre une réalité augmentée sur des vidéos. Mais du coup, il y a tellement de vidéos aujourd'hui et c'est tellement chronophage de créer des vidéos que déjà j'inviterais les gens plutôt à faire de la veille pour essayer d'introduire en complément dans leur cours que tout créer. Mes fiches de cours, donc ça, c'est ce qui est proposé aux élèves, c'est sous forme de livret, sachant que la page 1, c'est toujours ça. C'est toujours une page vierge qui va accueillir les fameuses petites choses dont j'ai évoqué, qui est « qu'est-ce que je retiens ?». Pourquoi je l'ai mis en page 1? C'est pour que les élèves puissent, quand ils prennent le livret, quand ils le rangent, eh bien, sous le nez, la première chose qui leur apparaît, c'est leur synthèse. Ce n'est pas du cours, en fait. Donc, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est une synthèse d'un élève. Donc, c'est vrai que c'est un élève qui a appris à se structurer parce que je les ai aussi sensibilisés au sketchnoting, à la prise de notes par le dessin, à l'utilisation de la couleur. Donc là, ça peut ressembler à ça. Et dans les fiches de cours, donc quand ils feuillettent, le cours ressemble à ça. Donc, il y a des parties en pointillés que les élèves doivent compléter et puis, il y a les fameux QR codes et numéros. Qui fait que si au tableau j'ai expliqué comment remplir la définition du module et l'argument,
Si l'élève ne comprend pas cette partie, il peut soit flasher, soit taper le numéro dans la barre de recherche et ça va lui réexpliquer d'une autre manière comment comprendre la définition et le module de l'argument. Et puis ici, les exemples sont également corrigés et commentés du coup en vidéo. Donc en fait, il y a une double aide sur l'utilisation de la vidéo. Et en plus, ça a été une demande élève, mais ça faisait un moment que j'y réfléchissais. Dans ce même livret, donc c'est vrai que c'est un livret qui fait en général un peu moins d'une dizaine de pages, il y a la correction tapée uniquement des exemples. Parce que du coup, il m'a semblé aussi important de pouvoir varier les supports. Des fois, on préfère lire, des fois, on préfère écouter. Et dans un souci d'efficacité aussi, on n'est pas obligé d'être toujours sur la même modalité de vidéo. La fiche d'exercice qui est aussi inclue dans le livret ressemble à ça. Alors ici, c'est pas la correction. Donc ça a été un autre travail que j'ai mené avec les élèves. En tout cas, les QR codes ou numéros qui sont mis ici, ça renvoie à des parties de cours pour que les élèves en fait puissent se corriger, faire de manière similaire pour essayer de faire les exercices qui ont été traités de manière analogue en classe. Donc là, on commence à lâcher un petit peu le prof, lâcher la main même s'il est toujours là, pour essayer de se mettre à quelque chose à peu près similaire. Et ça, il y a une correction tapée dans un classeur qui est dans mon bureau ou qui sera sur le Padlet archivé dans le thème du chapitre qu'ils pourront utiliser mais retrouver en ligne. Et l'idée, ça a été là de dissocier la correction dans le classeur et qu'il soit vraiment sur mon bureau, ce qui fait qu'en classe, les élèves sont invités à se lever pour aller chercher cette correction. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y ait le mouvement physique, le fait de « je me prends en main pour aller me corriger ». Et donc plusieurs entrées ont été proposées pour se corriger. Donc comme je vous disais, dans le livret, il y a deux choses. Il y a la correction des exemples, la correction après dans le classeur des exercices, il y a les vidéos. Et la collaboration, c'est aussi un outil pour se corriger. Donc souvent, des fois, ils détectent des erreurs. Et comme je vous disais au tout début, c'est pas you can do it, mais you must do it, parce que vraiment les élèves sont en posture passive, parce qu'ils ont continuellement l'habitude d'attendre que le professeur corrige. Et donc là, c'est vraiment un gros travail d'apprendre à l'élève de quand je fais quelque chose, il est impératif de se corriger régulièrement, sinon mon cerveau engramme des chemins faux d'erreur, et pour casser ce faux, ça va prendre plus d'énergie que si petit à petit je me corrige en réajustant le tir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très long à mettre en place. En général, au sein de mes cours, ça peut prendre de 3 à 4 mois avant qu'un élève qui avant n'était pas autonome puisse être complètement autonome dans cette modalité d'aller et venir de correction. Là où est la continuité pédagogique, eh bien, c'est qu'avant, ça ressemblait un peu à ça. Donc, moi, je fais mes trucs au tableau, je leur en communique aussi beaucoup par mail avec eux. Et eux, ils sont avec leur téléphone, ils doivent compléter, ils sont en collaboration, ils ont le classeur pour se corriger. Et aujourd'hui, on va vers, ils ont toujours le même cadre d'utilisation de mails, de correction, de compléter. C'est juste que moi, je suis à distance, en fait. Et ce que je comprends, et c'était intéressant de devoir faire cette présentation aujourd'hui, c'est que du coup, mon envie, ça a été de proposer un cadre suffisamment sécure pour que les élèves puissent plonger dans la suite de l'aventure. Et ce qui est chouette, je ne l'avais pas mesuré, mais je le mesure aujourd'hui, c'est que dans ce qui était proposé en classe et ce qui se fait maintenant dans la demande pour les élèves à la maison, c'est que déjà le format de mes fiches ne change pas. Donc il y a toujours les QR codes, elles sont toujours présentées de la même manière. Trouver une ressource, ils ont eu l'habitude en classe et donc du coup maintenant ils continuent à utiliser ce même outil de la vidéo. La seule demande supplémentaire que les élèves m'ont fait suite à des points visio, c'est que le fameux rituel ou le fameux point bilan que je faisais en classe, ça, je puisse le faire en vidéo pour qu'ils puissent petit à petit avoir cette entrée comme en classe. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemblait mes vidéos, si vous ne les avez jamais vues. C'est que je me suis, parce qu'au début, je me suis calquée sur la Khan Academy, parce que quand j'ai fouillé en 2012, quand j'ai démarré, c'était la personne sur laquelle je suis tombée. Et je trouvais ça intéressant de ne pas refaire un cours comme au tableau, parce que c'était aussi beaucoup de contraintes techniques et je n'avais pas tout le matériel. Donc, je suis partie sur un fond noir et j'écris et je commente avec des flèches. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que comme on ne voit pas, l'élève, il n'a pas un va-et-vient entre le professeur et le tableau. Et du coup, il peut avoir une pleine attention sur ce qu'il est en train de dire.
Et aujourd'hui, juste pour vous dire quand même là, c'est que pour créer une vidéo de 4 minutes comme ça, où j'ai un petit côté un peu perfectionniste des fois, c'est-à-dire que quand je fais mon montage vidéo, donc je m'enregistre, je retouche, j'annote et je mets des choses avec des flèches, des choses supplémentaires, je l'encode, je mets sur YouTube, je mets sur mon site, je récupère le QR code et le numéro. Donc, il faut me gêner pour qu'une vidéo de 3-4 minutes, en fait, j'ai à peu près 45 minutes de temps off avant qu'elle soit disponible et active dans un cours, en fait. Et ça ne me va pas aujourd'hui dans le format à la maison, distanciel. Donc, du coup, j'ai cherché un autre format et il s'avère que par hasard, j'ai acheté cette petite caméra pour un atelier que j'ai fait en ligne sur autre chose la semaine dernière, cette petite IPVO. Et du coup, je filme ma main en écrivant sur une feuille où j'ai plein de stylos. Là, c'est un one shot, je ne retouche rien du tout. Et pour donc là, par exemple, sur la petite vidéo de 10 minutes, il faut rajouter à peu près 5 minutes en plus entre le moment où je la publie sur YouTube et je l'intègre dans les fiches. Et donc du coup là je suis déjà dans une gain de rentabilité beaucoup moins chronophage que l'autre manière de faire, et les élèves aiment bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce format là ça leur convient bien quand même de fonctionner ainsi. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des ressources. J'ai ajouté, je continue tous les matins, c'est mon boulot du matin avant de leur envoyer des petits mails, je crée les bilans et les points rituels. Et dans les attendus, c'est toujours la même chose. Ils doivent toujours compléter leur page 1 de synthèse. Ils doivent toujours chercher le cours, chercher des exemples, se corriger, parce que du coup, là, ils sont vraiment tout seuls. Et puis, chercher les rituels. Et puis, il y a des évaluations. Je vais vous raconter ce que j'ai déjà mis là en place un petit peu. Mais en tout cas, sur les attendus, ça n'a pas bougé. Donc, il y a vraiment quelque chose où j'ai un élève, il m'a dit, mais c'est pareil qu'en classe, sauf que c'est à la maison. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était intéressant. Parce que du coup, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement similaire. C'est juste que c'est la modalité qui a changé. Alors, ça soulève de toute façon de l'inégalité et des difficultés. J'en ai encore parlé avec eux ce matin. Mais dans le fond des attendus, ils sont OK de dire les règles du jeu sont les mêmes et on connaît les règles du jeu. Donc ça, pour moi, c'est déjà quelque chose qui était important. Comme on est à distance, eh bien, c'est la même chose qu'en introduction, il va falloir repenser son cadre. Donc, il va falloir le re-questionner, il va falloir re-questionner pour voir quels sont les nouveaux besoins, quelles sont les nouvelles problématiques, et puis du coup, de voir quels vont être les nouveaux outils pour nous aider à cette distance. Donc, j'avais envie de vous partager là ce que j'ai mis concrètement en place, en plus de ce qui était mis à la maison, ce qui a mis avant en classe, pour que vous puissiez voir et peut-être vous inspirer ou peut-être critiquer. Là où j'en suis aujourd'hui, au bout de 3 semaines. Peut-être que dans 3 semaines, ça aura encore évolué. Donc moi, j'ai besoin de toute façon d'avoir une vision globale, et ça prend du temps. Donc la première semaine, ça a été une semaine un peu chaude pour mon cerveau, parce que je ne peux pas plonger dans une aventure ou proposer quelque chose à mes élèves si moi, je n'ai pas mesuré dans des tenants et aboutissants le plus large possible que je vais leur proposer. Donc du coup, je me suis vraiment, la première semaine, été en grand brainstorming. J'ai fait des très petites nuits pour essayer de comprendre comment j'allais continuer l'histoire et les accompagner. Et je vois aujourd'hui que des fois, de prendre du temps là-dessus, ça permet de gagner en efficacité derrière ou de réajuster. C'est un peu comme une voiture, hein. On la lance et puis elle a toujours besoin de serrer 2-3 boulons pour qu'elle avance encore plus vite. Et du coup, j'ai réussi à trouver à la fin de la semaine un cadre qui me convenait et qui, dans les règles du jeu, avait l'air de convenir aussi aux élèves. Parce que c'est avec eux que je réajuste toujours ça. Chaque fois que je les ai en visio, je leur questionne sur est-ce que ça vous convient, comment c'est mis, qu'est-ce qui vous manquerait. Parce que du coup, ça me permet d'ajouter des petites pièces au puzzle qui pourraient manquer. Donc, la première chose que j'ai fait, moi, ça a été de réfléchir à mon organisation. Donc, revoir mon organisation dossier de mon ordinateur, de ma boîte mail et également de mon drive. Et surtout, j'ai pris un temps avec les élèves pour savoir est-ce que eux, ils savaient, est-ce qu'ils s'organisaient ou est-ce qu'ils rangeaient n'importe où tout leur dossier, leur document qu'ils allaient télécharger. Donc, on a vu que dans la classe, il y avait à peu près moitié-moitié. Il y avait des élèves qui savaient faire ça tranquillement. Il y a la moitié des élèves qui, en fait, n'avaient aucune organisation. Et du coup, ça faisait un peu de perte déjà dans où trouver les documents, comment faire. Donc, du coup, il y a déjà eu un premier échange pour essayer de réajuster et les aider. Effectivement, même si ce sont des étudiants, ça, c'était pas naturel. Donc, du coup, de les aider déjà à faire ce premier pas pour, du coup, gagner pour eux en efficacité là-dessus.
Deuxième chose, ben moi, je fais beaucoup sur ce que j'aime recevoir et ce que j'attends de moi, et je leur propose à eux. Donc, eux, je leur ai proposé d'avoir une vision globale sur le projet, dans tous les outils, les attendus, les agendas, les choses à télécharger. Et du coup, j'ai créé une page sur Internet qui leur est dédiée. Et cette page, elle est, donc je vous l'ai fractionnée là. Donc déjà, elle a des informations générales et des annotations si jamais ils n'ont pas d'imprimante, comment faire. Après, je leur ai partagé les outils. Qu'est-ce qu'on a utilisé les outils et qu'est-ce que j'attends de ces outils-là. Après, j'ai partagé aussi le planning. Et je fonctionne avec eux avec un planning semaine. Donc pour moi, ça, c'est encore autre chose dans la vision globale pour essayer de se projeter entre les rendez-vous, le travail à planifier ou le travail à rendre, en étant le plus clair possible pour qu'ils puissent jouer le jeu le plus facilement possible. Après, au niveau des attendus, eh bien, en fait, donc dans toujours cette feuille de la page centrale, pour chaque chapitre qu'il nous reste, parce que du coup, je leur ai listé, pour cette classe-là, il me restait 7 chapitres à traiter jusqu'à la fin. Je remets donc tous les rituels nommés chaque fois que je les fais avec une correction manuscrite, une correction en vidéo. Je remets le lien du cours à télécharger, si jamais ils l'avaient perdu ou si jamais ben, je n'ai pas pu leur donner tout le cours de toute façon. Le drive, c'est-à-dire que eux, en classe, je supervisais tous les livrets. J'avais une lecture sur leur feuille de synthèse pour voir si elle est complète. Je feuilletais leur livret pour voir si le cours était bien rempli et surtout, je regardais comment étaient rédigés les exercices. Donc aujourd'hui, la demande, c'est qu'ils me fassent un scan de tout ça et qu'ils me le déposent sur le drive qui me permet après d'annoter leurs documents. Donc ça, là-dessus, c'est la même chose qu'en classe, mais on est en dématérialisé. Il y a les points bilan, donc ce que je vous disais, ce que je fais au tableau, je l'ai remonté en vidéo. Il y a la visio, donc j'archive le temps de visio et je vous montrer ce que je filme, parce que je ne les filme pas eux, mais je filme ce qui se dit et moi ce que j'écris. Et l'évaluation avec les corrections en PDF et aussi en vidéo avec des petits exercices derrière pour aider à remédier. Donc du coup, cette page centrale, elle contient tout ça, elle est actualisée tous les 2 jours, chaque fois que je bosse pour eux. Mon envie, ça aurait été, et ça n'a pas été encore possible au sein de mon équipe pédagogique, mais on y travaille, c'est de créer une page centrale qui fait que les élèves, quand ils arrivent, eh ben, ils ont juste une page sur laquelle ils retrouvent les informations par classe, qui permet en fait de ne pas se noyer dans le prof, il fonctionne d'une manière, celui-là, il fonctionne d'une autre manière, et du coup, si on peut avoir un espace qui centralise, en tout cas pour moi, c'est toujours plus facile de pouvoir rechoper des informations que d'en avoir de partout. Mais j'espère qu'avec mon équipe pédagogique sur mes 2 classes, on va pouvoir à terme pouvoir faire ça quand même. Ensuite, au niveau de récolter les documents des élèves, eh bien, du coup, ils me le déposent sur un drive ou si ça ne marche pas, donc toujours le plan B, parce que le numérique, on sait bien qu'il y a souvent le plan A ne marche pas, donc il faut vite pouvoir rebondir. Et le deuxième plan B, ben, c'est l'utilisation du mail. Et donc, grâce au drive, donc quand ils me le voient par mail, c'est moi qui le redépose dans le drive, je peux en fait annoter sur le PDF, ça me fait gagner du temps. J'essaye de faire des banques de données, de réponses, parce que aussi ça me permet de gagner du temps sur tous les commentaires que j'ai envie de faire, qui souvent en maths sont des choses très redondantes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'élève va pouvoir me répondre aux documents que j'ai annotés. Par exemple, ça peut ressembler à ça. Voilà, ça c'était un devoir. Donc moi, je surligne en jaune, donc quelle formule doit-on utiliser? Et l'élève m'a répondu, et du coup, pourquoi en fait il s'était trompé. Et donc, du coup, on va pouvoir faire un petit ping-pong comme ça en va-et-vient entre eux et moi. Et puis, ce qui pour moi est vital, et ça encore, je me suis fait avoir, hein, le premier jour du distanciel, je me suis fait complètement avoir, c'est-à-dire que si on ne guide pas les élèves sur comment normer leurs documents avec des choses qui sont très claires, nettes et précises, on se retrouve, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, avec 10 scans 001 ou l'image 002 une moult de fois où ça ne veut rien dire. Et du coup, c'est nous qui devons renommer ça et ça prend un temps démentiel. Donc, moi, je suis partie enfin, j'ai réajusté, mais en tout cas, aujourd'hui, ma demande, c'est ça. Ils écrivent la classe, le tiret souligné, leur nom, le tiret souligné. Alors, moi, j'ai pris une dénomination aussi pour la semaine en fonction de ma matière, parce qu'avec le prof de physique, lui, il commençait par PS2. Donc là, ça veut dire maths, semaine 2. Et après, ils me disent le thème sur lequel ils sont en train de travailler, qu'ils me déposent sur le drive. Comme ça, du coup, ça me facilite énormément mon organisation et ma gestion. Et du coup, c'est leur apprendre, eux aussi, à archiver de manière logique, pour pouvoir retrouver facilement des documents. Et donc, je leur ai montré donc, ClearScanner ou une autre.
Mais en tout cas, je leur ai expliqué, puis comme ils m'avaient vu plein de fois faire en classe, puis je leur en avais parlé, hein, de comment, en fait, je ne veux pas plusieurs images non plus. J'ai au départ, la première semaine, j'ai des élèves qui m'envoyaient 10 images. En fait, c'est ingérable. Ils sont prévenus que quand ils m'envoient quelque chose, c'est un document PDF et ce n'est pas plus. Donc, soit ils font un document Word et ils le basculent en PDF, soit ils scannent et ils m'envoient le scan qui est regroupé des images en un seul PDF. Et donc, déjà là, c'est énormément plus confortable pour moi. Ensuite, il y a l'histoire des tâches claires pour les attendus. Je lisais un commentaire l'autre jour d'une femme qui disait qu'elle avait invité ses élèves à étudier les exercices et les élèves n'avaient pas fait, ils n'avaient fait que lire. Et pour moi, dire étudier, c'est trop vague. Je vous remontrais dans le planning, moi, mes élèves, je leur dis faire exercice 3, corriger cet exercice 3, faire exercice 4, corriger l'exercice 4. Alors, ça peut être extrêmement maternant, peut-être. Mais en tout cas, ça donne une clarté dans les objectifs. Et là, on est tous tellement débordés par du travail que je pense que même eux, ils n'ont pas l'espace ou ils ne savent pas faire des to-do list. Et du coup, oui, je leur prémâche ça. Et c'est pour leur montrer que derrière, en fait, c'est plus facile à s'organiser et petit à petit, comment eux, ils peuvent tirer des leçons d'une utilisation claire de tâches. Et l'autre outil, ben, c'est le sketchnote. C'est les petits dessins que vous voyez passer depuis le début avec du texte et de l'image qui, pour moi, mène beaucoup parce que ça va m'amener de la clarté. Donc, si jamais vous voulez me suivre, j'ai une page Facebook qui s'appelle Sketchnote avec moi, qui, avant, je mettais aussi ce qu'il y avait en classe, mais du coup, je partage en fait beaucoup de choses autour du sketchnoting. Et du coup, moi, ça m'oblige vraiment, chaque fois que je me pose avec le sketchnoting, d'être très claire dans mes attendus et mon contenu. Et eux, de ce qu'ils m'en disent, c'est que ça donne beaucoup de clarté dans ce que j'attends dans la mise au travail. Et derrière, ça les soutient pour pouvoir se mettre au travail. Je leur ai envoyé ceci, on en avait parlé avec eux au début d'année. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro. Où du coup, c'est en identifiant des tâches et après, on coche les tâches. Donc, il y a quelque chose de très gratifiant parce que je vois que j'évolue. Donc ça, c'est les élèves, a priori, un certain nombre, je ne dis pas tous, mais un certain nombre utilisent ça. Et donc voilà, je vous remonte un planning de semaine. Donc ici, ils n'auraient plus qu'à cocher les petites cases au fur et à mesure ou à rayer. C'est vrai que moi, je préfère rayer parce qu'au moins, je vois ce qui me reste à faire et je vois qu'effectivement, je progresse avec des choses le plus complètes possible pour pouvoir rentrer dans l'action. J'ai cherché aussi à avoir un suivi de l'avancée du travail parce que dans ce grand lâcher-prise, je ne sais pas qui on en est. Alors qu'en classe, je savais mon élève qui avait 3 chapitres d'avance, celui qui était dans le cours, celui qui avait fini le programme, qui commençait un nouveau programme. Là, je n'ai plus aucun contrôle. Donc du coup, je suis partie sur un document collaboratif et c'est les élèves au fur et à mesure de l'avancée qui cochent avec des petites cases. Par exemple, encore sur l'ordre du jour aussi, comment moi, j'essaie d'être le plus clair pour qu'on soit tous le plus efficace possible. Donc, quand les élèves se connectent, en fait, en général, ils ne voient pas ma tête. Mais je branche la caméra, je mets en dessous l'ordre du jour et je commente avec eux. De toute façon, ils connaissent, ça va, quoi, je ressemble. Enfin, si besoin, je me mets pour leur dire bonjour, mais très vite, je bascule sur ma version avec l'ordre du jour. Et ça me permet de cocher au fur et à mesure et de leur dire, même si on a un créneau de 2 heures, si on remplit les objectifs et qu'on a fini au bout d'une heure et demie, je vous lâche au bout d'une heure et demie. Ce qui aussi fait que les élèves, il y a, il y a un objectif de si on participe, si on fait avancer, puisque du coup, en général, mes premiers points, bah, je repose des questions avec eux, j'essaie de voir si tout va bien, je leur invite à peut-être se rencontrer aussi par dématérialiser. Et surtout, donc, le rituel, là, je propose en général un rituel avec eux de recherche, de réactualisation de savoir pour voir si ça va à peu près dans ce qu'ils avaient étudié. Et puis, du coup, ça me permet de remédier et de répondre à toutes les questions en direct. En fait. Et Sophie, si on parle de la visio... Sophie, oui. Tu m'entends, oui. Je m'excuse, ça fait 30 minutes que tu présentes, donc... J'ai pratiquement fini. Ok, super. Je voulais juste savoir où t'en étais. Ouais. Non, j'ai pratiquement... Je boucle là, c'est la fin. Super, merci. Donc, au niveau de la visio, de reposer, du coup, à quoi elle sert, de bien reposer le cadre en demandant aux élèves qui se nomment. Moi, j'ai un tableau Excel pour faire l'appel et puis je prends la prise de main avec la parole et les objectifs de la séance pour être clair. Et là, ça demande un vrai lâcher prise parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font réellement derrière. Et mes temps de visio, ben, soit c'est un temps d'échange, soit hein, c'est un temps de devoir, où du coup, je prends des nouvelles, comme je vous disais. Et ça, c'est enregistré, ou alors d'évaluation.
Donc, pareil, des consignes que je pourrais vous redonner pour pouvoir retrouver tout ça. Et je fais un tableau de compétences pour pouvoir évaluer leurs compétences, vu que je ne mets plus de notes, pour que du coup, ils lâchent le fait de devoir tricher, entre guillemets, pour pouvoir faire ces fameuses évaluations. Et je réfléchis à un projet d'évaluation à la fin sur un travail plus de synthèse. Donc, si ça vous intéresse, j'ai le projet Math en BTS où je raconte tout le cadre de faire créer des vidéos aux élèves pour faire une évaluation finale. Voilà. Ce qui me manque, et j'ai bouclé, c'est que j'écris énormément de mails et ça ne me convient pas. Donc, je suis à la recherche et peut-être que vous aurez des idées d'avoir un forum qui me permet d'avoir un forum classe et avoir un suivi de correspondance par élève. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est les inégalités que ça génère parce que de toute façon, on est dans encore plus d'inégalités. Et puis que s'il ne fait pas attention, en fait, on est en train de créer un double emploi du temps de présence et autonomie. Et comment faire pour qu'on leur laisse vraiment du temps pour que les élèves, du coup, soient autonomes. Voilà, du coup, ce que je voulais vous raconter sur tout ce que je faisais. Super, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Et c'est vrai que ce que tu soulèves là dans cette dernière slide, c'est important. Et je pense que tout le monde se pose les questions. On n'a pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet donc converser, l'outil de chat. En attendant, moi, je vais te poser une première question. Toi, au regard de ton expérience, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui débute l'enseignement à distance ? Tu as parlé de scénarisation de son cours, de bien penser sa scénarisation. Tu as parlé de s'autoriser à s'ajuster au fur et à mesure. On regarde aussi de prendre les feedbacks des étudiants justement pour permettre cet ajustement-là. Tu as parlé de partage de tes attendus, de ton mode de fonctionnement, etc. Est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas captées ? Est-ce qu'il y a des choses qui, à tes yeux, sont vraiment fondamentaux et tu t'es rendu compte au regard de ton expérience sur les 3 dernières semaines que ça c'est vraiment majeur et important? Donc voilà, je voulais avoir ton retour sur ça. Ouais. Ben, moi, les fondamentaux dans tout ça pour quelqu'un qui se lancerait, c'est quels sont les besoins. En fait, du coup, d'arriver à lister, en fait, si tu veux, les problématiques. Parce que j'imagine qu'un prof d'anglais, j'ai vu qu'il y avait une collègue d'anglais qui est lycée, elle n'a pas les mêmes problématiques que moi, ou du coup les mêmes attendus par rapport à ses élèves. Et du coup, avant de réfléchir à comment, c'est d'avoir un listing déjà de qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que j'aimerais, pour essayer de voir là, après, derrière, est-ce que le temps de visio, ça peut répondre à ça? Est-ce qu'un outil de vidéo, ça peut répondre à ça pour les faire bosser la grammaire? Est-ce que, tu vois? Et du coup, d'arriver à identifier, de faire un peu comme une carte autour de soi de ses besoins et puis après d'aller chercher des outils. Pour moi, ça, c'est peut-être la première chose. Après, là, le problème, c'est qu'on a tellement, tellement, et qu'il y en a qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de classes. Moi, je suis à temps partiel en temps normal, mais c'est ce qui fait que là, j'ai aussi 2 classes en volume horaire à gérer, ce qui n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui aurait 5 ou 6 classes. Et comment faire, du coup, là, pour que, par rapport à ça, on commence, du coup, tranquillement petit. On voit tout, c'est moi la première, hein. Je réajuste beaucoup pour que moi, je puisse souffler. Je fais l'école à la maison à ma fille, donc j'ai aussi ce double emploi du temps à devoir gérer de mon côté, et de faire qu'on arrive à leur donner du soutien et qu'en même temps, on arrive à nous pouvoir fournir de la matière. Super, je te remercie. Il y avait Julien qui souhaitait poser une question et il y a Isabelle aussi qui rebondit sur ce que tu as dit et qui dit qu'en effet, le nombre d'étudiants aussi joue en fait sur ce que tu es capable de faire. Donc voilà, Julien. Oui, Sophie, est-ce que tu pourrais déjà ne pas afficher l'écran, s'il te plaît, ton écran pour passer en. J'arrête le partage. Ah, yes. Voilà. Bon, je vais activer ma caméra, Nathalie, c'est juste pour que ce soit, parce que tu as mon droit à l'image, bien sûr, c'est plus simple pour discuter comme ça. Bon, en fait, je voulais déjà te remercier parce que je trouve que c'est vraiment exemplaire ce que tu as présenté. Enfin, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi carré et puis exemplaire dans ce qu'on veut, nous, pour nos enseignants. Et vraiment, ouais, ça m'a scotché. Et ce que je voulais simplement, pour rebondir un peu sur tes problématiques, j'ai l'impression que ce qui te manque, c'est vrai que là, tu as un site internet. Et du coup, c'est vrai que finalement, comme tu dis, les étudiants, ils savent qu'ils doivent aller là pour ton cours.
mais après, pour d'autres cours, ils vont ailleurs, etc. Quoi. Après, c'est vrai que nous, on a tendance à orienter nos enseignants vers des plateformes de cours à distance, type Moodle, par exemple, je ne sais pas si tu connais. Et ça, ça permettrait peut-être d'avoir un seul et même point d'entrée en fait, pour les étudiants, ce qui leur permet d'avoir un tableau de bord finalement de tous leurs cours, de tout ce qu'on leur demande, etc. Après, ce qui n'empêche pas dans un espace Moodle d'amener finalement vers des ressources, vers tes vidéos, vers par exemple ton site, etc. Et dedans, donc, tu aurais justement tout cet aspect forum que tu recherches, tout cet aspect discussion, carnet de notes, c'est bonjour. C'est bien, c'est ça qui est rigolo dans ce contexte. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que bah là, tout simplement pour rebondir à ça, puis je vais pas prendre trop de temps, hein, mais il y avait également peut-être une autre chose que tu pouvais utiliser pour encore perfectionner, hein, je dirais, parce que là on est plutôt sur du lissage qu'autre chose. Mais c'était, tu sais, quand tu fais des classes virtuelles, par exemple, je sais pas si tu as vu, tu as des options pour, tu as des outils qui permettent de faire voter les étudiants, des choses comme ça. Je sais pas s'ils pourraient le faire eux de leur côté. Nous, on utilise par exemple MOOCLAP à IMT Atlantique, il y a Chaos, il y a des outils comme ça, ouais, qui pourraient te permettre de faire aussi des choses interactives à distance, mais en même temps tu dois très bien le faire de ton côté avec tes outils à toi. Mais voilà, c'est simplement pour ça. Et puis une dernière remarque, après j'aurai terminé. C'est vrai que l'idée des QR codes comme ça, je trouve ça génial. Et moi, je pensais justement donner un nom à ça, les QR cours. Je ne sais pas si c'est un nom qui existe, mais c'est clairement parce que tu as ce que tu fais finalement. Et c'est vrai que d'avoir la correction en QR code, bah ouais, c'est super pertinent. Et puis comme ça, bah, ils voient le, voilà, s'ils veulent, ils voient la correction, etc. Mais encore une fois, le fait d'avoir, à mon avis, un espace Moodle ou autre, hein, ça te permettrait aussi d'avoir un suivi de ce qu'ils ont vu, en fait. Parce que tu pourras tracer leur trace de connexion, savoir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, etc. etc. Et je pense que ça pourrait apporter du plus, quoi. Voilà. En tout cas, bravo. Ouais. Je te remercie. Ah, c'est vrai que c'est moi qui fais de la réticence avec Moodle parce que j'aime pas l'interface. Oui, je comprends le côté ergonomique. Après, il y en a d'autres. Hein, ouais. Ben, alors d'autres, je connais pas d'autres, donc mais c'est vrai que c'est moi qui fais un peu de la résistance. Et puis c'est vrai que comme du coup quand moi j'ai démarré en 2012, on a pensé au site maintenant vidéo. Moi je suis beaucoup restée sur cette interface là, hein. Mais et puis après nous la Moodle elle est plus orientée, enfin c'est plus dans l'enseignement supérieur, mais avec des BTS c'est vrai que c'est très peu utilisé du coup nous même dans l'espace lisé, hein, nos professeurs de BTS, en fait, ils n'utilisent pas Moodle, en fait. Ouais. Mais je comprends. Hein. Ouais. Non, mais j'entends. Hein. Mais certainement que pour le forum, c'est sûr que Moodle, certainement, pourrait répondre plus à ma demande que par rapport à... Et après, encore une fois, c'est juste un point d'entrée. Après, ils peuvent aller sur ton site après. Hein. Toi, c'est simplement... Oui, mais ça, je sais parce que du coup, je connais des gens de l'INSA qui utilisent Moodle et c'est mes vidéos qui sont référencées dans les cours. Donc, je sais que insérer les vidéos de quelqu'un d'autre, ça pose pas de problème en fait. Mais voilà, c'est vrai que du coup, j'entends et peut-être que je vais creuser un peu plus l'histoire de Moodle avec le forum. Et pourquoi pas faire la page centrale là-dessus, peut-être, ouais. Merci. Merci. On a 3 questions. Je pense que je vais réussir à les prendre dans l'ordre, même si je ne suis pas sûre. Il y a une question sur combien de temps pour intégrer et appliquer ce bon fonctionnement de ces cours à distance. Bon, je ne sais pas si c'est le bon fonctionnement, mais en tout cas, c'est un fonctionnement. Ce qui est compliqué, et vraiment, c'est ce qu'on vient échanger, en fait, moi, c'est quelque chose, déjà, tout ça, ça fait, imaginez, du coup, ça fait déjà 8 ans que je le mène et que je le tisse. Quand j'ai démarré et quand je démarre en formation, ce que je dis, ça rejoint peut-être ta question tout à l'heure, quand j'accompagne des profs qui veulent se lancer dans le numérique et intégrer les vidéos en classe, je leur dis la première année, vous prenez 3 chapitres et vous un peu espacés et du coup, vous faites déjà le package avec les vidéos sur ces 3 chapitres, comme ça vous laisse le temps de souffler sur une classe. Et puis l'année d'après, vous complétez un peu les vides et puis vous commencez à intégrer une deuxième classe, puis une troisième, puis une quatrième en fait. Parce que c'est vrai que la machinerie de réorganisation derrière, elle est assez grosse. Donc là, dans tout ce qui nous est demandé, c'est vrai que ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Donc du coup, je ne peux pas mesurer combien de temps. Tout ce que je peux savoir, c'est que si déjà vous pouvez, parce que vraiment, quand moi j'ai commencé, il n'y avait rien.
Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de vidéos et il y en a dans tout. Donc, c'est vrai que c'est comme si pour moi, c'est un peu le travail du prof de devoir faire un peu le filtrage, en fait, pour aiguiller les élèves vers des vidéos que lui estime être pédagogiques et correspondent à peu près à ses attendus pour pouvoir les intégrer, elles, dans les cours. Et c'est vrai que Edpuzzle, je l'écris si vous ne le connaissez pas, ça permet, en fait, sur des vidéos YouTube qu'on trouverait bien mais qui manquerait des petits trucs, d'ajouter un audio, d'ajouter un quiz, de rendre justement les élèves acteurs, comme le soulevait du coup Julien, et d'avoir aussi une traçabilité de qui a visionné quoi, sans que ça touche la source en fait. Les vidéos restent propriété maître de la personne qui les a créées, c'est juste quelque chose qui est amené en interface supplémentaire en fait. Donc gérer le temps, je sais pas, ça dépend tellement de chacun. Tout ce que je sais, c'est que recréer la vidéo, c'est chronophage et ça prend énormément de temps. Et que du coup, notre temps là, il est précieux et votre temps est d'autant plus précieux pour essayer d'être le plus acteur et le plus présent et le plus soutenant. Pour moi, on est vraiment dans comment chercher une posture de soutien au mieux avec nos élèves en étant le plus efficace possible en fait. Mais il faudrait que je connaisse un peu plus pour pouvoir répondre à ça. Je crois qu'il faudrait que je connaisse un peu plus les bagages de chacun, là où on en est chacun, bon, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, ce qui peut être intégrable ou pas. Voilà, s'il y en a qui veulent préciser pour que du coup ça aide ou ça oriente la question, je veux bien creuser un petit peu plus. Super, je te remercie pour cette réponse. Et du coup, il y a Jean-Loup, tu voulais intervenir. Est-ce que tu veux poser ta question en direct ? Oui, bonjour Sophie, merci pour cette présentation. Dans cette acquisition, ce développement d'autonomie, est-ce que tu penses qu'il est transférable d'une discipline à l'autre ? Est-ce que tes élèves te semblent meilleurs pour gérer l'autonomie ? Tu parlais du cours de physique, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que en gagnant en puissance en physique, ils deviennent plus autonomes en maths ? Enfin, je ne sais pas si c'est clair ma question. Tu vois, je vais essayer de répondre, tu me diras si c'est ça, si c'était ta question. En tout cas, mes collègues peuvent, enfin, on constate, parce que du coup, on fait un point visio avec l'équipe pédagogique une fois par semaine le vendredi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos élèves aujourd'hui sont compétents dans le fait de l'utilisation de la ressource de la vidéo en externe, et dans la création de devoir faire des PDF et de devoir nous livrer ces PDF. Ça, aujourd'hui. Après, on n'a pas résolu, et on en parlait encore tout à l'heure, le fait qu'il y a des élèves là qui ne font pas le travail qui est demandé de nous envoyer, et qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas tomber dans le chantage de la note ou de l'évaluation, de dire j'en ai des 9 ou je mets 0. Mais pour moi, là, je suis dans un contrat de confiance où plus je vais chercher à savoir pourquoi l'élève ne m'a pas rendu. Est-ce que c'est un problème là, clairement à la maison? J'ai un élève, sa sœur est enceinte, elle doit gérer le matin, il aide à la maison, donc il a 10 fois moins de temps que les autres, il a moitié moins de temps. Donc ce matin, il n'était pas prêt pour son DS. De lui dire, ok, reprends le DS plus tard. Et puis les autres, ils me le donnent en temps et en heure. Donc je suis plus aussi à adapter quand je sais le contexte familial et ce qu'il en est. Et on essaye d'être plus soucieux aussi en fonction des environnements. Après, on n'arrive pas là, et il y a des élèves qui décrochent, hein, on n'arrive pas à faire. Et ce qui est, en tout cas, mes élèves, aujourd'hui, je les invite beaucoup et ils savent que du coup, il peut y avoir ça. Le fait qu'ils ont compris qu'on pouvait utiliser une vidéo quand on a des soucis, ils savent que si en physique, ils ont des soucis, même si le prof de physique n'a pas donné de vidéo, bah, ils ont quand même le réflexe d'aller chercher de la vidéo. Et l'autre truc qui a été chouette un jour d'entendre, c'est qu'ils avaient des soucis en informatique pour comprendre des trucs. Et c'était une classe avec laquelle je faisais un projet de création de vidéos. Donc, c'est le fameux projet Math en BTS, si vous voulez écouter ce qu'il en est. Et du coup, il y a un élève qui a dit, ben, on n'a qu'à faire comme en maths, on va créer des vidéos pour se donner du soutien les uns et les autres quand il y en a un qui a compris, en fait. Donc, plutôt que de répéter 15 fois. Et donc, du coup, ils avaient compris l'intérêt qu'une vidéo, elle permet de réécouter plusieurs fois et de comprendre, et que eux, ça les délestait plutôt que de réexpliquer 50 fois aux copains. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça que je mesure et je vois qu'ils sont compétents. Et là où je plains vraiment mes collègues du collège, c'est quand j'entends toutes les problématiques là d'élèves qui ne savent pas mettre une image à droite, qui ne savent pas du coup l'intégrer dans un Word, qui ne savent pas générer un PDF. Du coup, aujourd'hui, moi, avec mes grands, en tout cas, j'ai déjà pas ça à gérer. Ils ont compris. Parce que de toute façon, là, si un élève m'envoie un document qui n'est pas nommé correctement au niveau de la nomenclature, je renvoie à l'expéditeur en disant,
la demande est pour m'aider à gérer et organiser ça. Donc, tant que tu ne me l'auras pas envoyé comme ça, je ne le prends pas, en fait. Donc, à un moment, du coup, ils comprennent aussi. Et moi, à chaque fois, je me justifie en disant, je ne peux pas gérer. Je ne peux pas gérer deux classes. Donc, c'est vrai qu'aussi, c'est leur faire comprendre. Et ce matin, je leur partageais. Hein. Ils me disaient que c'était difficile pour eux de gérer leur temps et que ce n'est pas facile de travailler à la maison tout seul. Et de leur dire, mais moi aussi, j'aimais bien aller au lycée et travailler et avoir mon temps. Et qu'aujourd'hui, je gère comme je peux et je fais au mieux. Et que moi aussi, je suis dans la même barque que vous et ce n'est pas forcément confortable pour moi. Est-ce que ça a répondu à ta question ou pas ? Parfaitement, merci beaucoup. Voilà. J'ajouterai juste quelque chose que je partage souvent avec les doctorants qui vont commencer à enseigner. Et quand on discute de formation, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, vous fixez des règles, mais soyez le premier à les respecter. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu dis « c'est pas nommé comme il faut, je le fais pas à ta place, je te le renvoie ». Oui, c'est vrai, tu gagnerais probablement du temps à le faire, mais comme tu vas le faire toutes les semaines et pour de plus en plus d'élèves, le bilan n'est pas bon. Un grand merci. Non, tout à fait. Mais je t'en prie. Merci pour cette question et merci pour ce partage d'expérience. Donc, on a deux autres questions. Comment gères-tu l'avancée différente des étudiants, en tout cas leur progression? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Enfin, est-ce que c'est… est-ce que j'ai besoin… Est-ce que Isabelle peut-être peut prendre la parole pour clarifier ou si c'est OK? Pour être sûre que je comprenne bien la question parce que… Mon micro, c'est par rapport aux différents rythmes des étudiants. Tu disais que tout le monde n'avançait pas de la même manière par rapport aux chapitres, etc. Et du coup, comment tu régules ça, que certains ne soient pas trop devant et d'autres trop derrière, parce que c'est compliqué aussi par rapport à l'image que ça leur donne d'eux par rapport au groupe. C'est peut-être confus ce que je dis. Non, pas du tout. Je comprends, mais du coup, au contraire. En fait, du coup, en classe, c'est déjà ça. Donc, l'inspecteur, quand il est venu dans mes cours, au contraire, il disait que le fait que les élèves sont dans leur structure, mais au final, personne ne sait où en est le copain. Donc, du coup, il y a beaucoup moins ce regard que d'habitude de savoir en classe, quand on avance et qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas. La classe identifie bien ceux qui en général sont derrière et qui ne comprennent pas. Eux, ils savent bien qu'ils n'ont pas compris par rapport aux autres. Donc souvent, c'est aussi une posture où on peut se mettre plus en retrait. Là, un élève dans mes cours, si je le vois en trop grande difficulté, je peux même le réorienter sur un autre chapitre pour réacquérir des bases. Et les autres, ils ne sont pas au courant en fait. Il n'y a que moi qui sais. Et donc, par exemple, si tu veux, là, enfin, en classe, avant qu'il y ait le confinement, j'ai un élève qui était en train de finir le programme de BTS première année en maths. Et donc, lui, il était en train de commencer le programme de BTS deuxième année en maths. Il est au milieu des autres, il travaille avec les autres. Si les autres ont besoin d'aide, il est toujours disponible. Mais lui, il peut avancer à son rythme. Et ce qui fait qu'en deuxième année, et je le partage parce que ça fait 3 ans que je le vis, j'ai des élèves qui terminent tout le programme de BTS 2 mois, voire 3 mois avant la fin. Voire l'année dernière, j'ai même un élève qui avait réussi à boucler le programme des 2 ans en 1 an. Et en fait, ces élèves me demandent à ce que je les prépare à rentrer en prépa souvent. Donc, en fait, ils ont des je les branche sur autre chose. Donc, ils sont branchés ailleurs. Mais par contre, la demande, c'est que lorsque je fais le temps où c'est moi qui mène la danse, donc au début, les 30 premières minutes, là, ils sont tenus d'écouter et de participer pour voir si leur moment de réactualisation de savoir sur les petites choses que je demande d'acquis, ça, c'est vraiment acquis. Et si jamais là ils mesurent qu'il leur manque un petit truc, en général, d'eux-mêmes, ils mettent le nez dans la structure de cours pour se remettre à niveau. Donc en fait, par rapport à ça, ils connaissent. Et là, en dématérialisé, c'est pareil. J'ai des élèves qui m'envoient des scans de 3 chapitres plus loin. J'ai des élèves qui sont dans la structure de cours et qui m'envoient les scans. En fait, moi, ça ne me pose pas de problème tant que chacun bosse. Et du coup, je donne de la matière à bosser à tout le monde. Comme les points de rituel, quand je fais en visio, c'est de la réactualisation. Pour moi, ça sert aussi bien celui qui a 3 chapitres d'avance que celui qui est avec moi, que celui qui a fini le programme. Est-ce que ça te va ? Très bien, mais du coup, la question des évaluations, chacun est sur une évaluation différente. Alors, ça, c'est la chose que l'inspection m'a demandé de ne pas toucher. Donc, je ne suis pas en évaluation quand l'élève a terminé. Donc, ce qui fait que mon élève qui avance à son rythme et qui est plus en avance par rapport aux autres, c'est quand je regarde le livret et que c'est moi qui regarde comment il a rédigé ses exercices, est-ce que c'est bien fait, est-ce qu'il a bien tout fait. C'est moi qui l'évalue un peu à l'oral. Et si j'estime qu'effectivement, je mesure que dans cette évaluation orale, il a bien ce que j'attends, je lui donne la suite. Ce qui fait que quand il est en évaluation avec toute la classe, du coup, lui, ça l'oblige à réviser. Point. C'est tout, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Super, merci. Et juste donc pour le timing, il nous reste 6 minutes et on a une question sur justement, on rebondit sur les questions des évaluations et la notion de éventuellement de triche, même si tu en as un petit peu parlé pendant ta présentation, mais peut-être justement rebondir sur ce point. Ah ouais. En tout cas, mes élèves, donc encore ce matin, ils étaient en évaluation. La consigne, elle est très claire. Ils peuvent se détendre tout de suite parce qu'il n'y aura pas de notes. Donc, qui dit pas de note dit en général pas de triche, parce qu'en fait, ce qui fait qu'il y a triche, c'est qu'ils veulent la meilleure note. Donc, par contre, ils sont dans les contrats et le truc que je leur ai proposé de faire là, c'est que moi, cette évaluation en ligne, elle me permet de voir ce qu'ils ont acquis, pas acquis. D'où le fait de faire un tableau de compétences pour leur permettre de voir ça, j'estime que c'est compris, moi, ou c'est pas compris. Et après, je les ai même invités ce matin sur le fait que si jamais, sur une question, ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas faire et qu'ils veulent utiliser leur cours, c'est OK. Par contre, à côté de la question, ils me marquent « fait avec le cours ». Pour que du coup, je sache qu'à ce moment-là, ils se sont aidés. Et mon but, en fait, le but d'une évaluation, c'est de voir effectivement ce qu'ils ont compris, pas compris, mais qu'à terme, ils sachent faire. Et donc, du coup, comme c'est des choses qui ressemblent, mais pas tout à fait pareilles, le fait qu'ils me disent « je l'ai fait avec mon cours », moi, ça me permet de dire « ok, ça, c'est pas encore acquis », mais n'empêche que là, il a trouvé dans son cours, ou bah, du coup, c'est pas du tout fait, et là, il va falloir que je trouve un moyen pour l'aider à remédier ça. Voilà. J'espère que la... Est-ce que la réponse demande à être complétée ou c'est bon ? Merci beaucoup, c'est parfait. Merci. Super, ok. moi je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter peut-être pour conclure par rapport à justement toutes les questions qu'on a pu te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi tu voudrais insister ou peut-être donner un autre conseil aux gens qui se lancent? En tout cas, si vous voulez suivre mes réflexions autour de tout ça, je suis active sur la page Facebook de Math en Vidéo. Et puis sur mon site Math en Vidéo, il y a une partie qui s'appelle blog, dont un article que j'ai publié qui s'appelle tous les conseils et astuces pour l'enseignement à distance. Donc c'est beaucoup de choses que je vous ai partagées, hein, que j'essaye de tenir à jour, de compléter. Donc ça peut être un espace si vous voulez continuer à creuser, mais en tout cas j'essaie d'être active sur la page Facebook de Math en Vidéo pour partager en fait là où j'en suis. Peut-être que dans 15 jours mon cadre il aura bougé encore un petit peu, mais donc si les personnes veulent suivre ce que je fais, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir des questions peut-être plus précises sur eux, enfin, ou des problématiques ou des choses à réfléchir pour les aider à penser un cadre, voilà, je peux dans la mesure si je peux contribuer et aider, c'est avec plaisir. Mais en tout cas, peut-être qu'une chose, une des choses que je dis beaucoup en formation, je fais tout un exercice sur ce que j'aime recevoir en tant qu'apprenant, et puis du coup de voir est-ce que je l'offre en tant que sachant, et un autre exercice sur qu'est-ce que je n'aime pas recevoir en tant qu'apprenant. Moi par exemple, je ne supporte plus avoir 2 heures de conférence où je ne peux rien faire et je ne suis pas active, même si là je vous ai fait 30 minutes où je ne vous ai pas mis beaucoup acteurs. Et du coup, comment faire derrière que moi, je ne fasse plus subir 2 heures de cours à mes élèves où ils sont complètement passifs, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que là, ce que je vous ai beaucoup partagé, l'histoire de la vision globale, c'est aussi parce que c'est tout ce que moi, je mesure aujourd'hui et que j'aime recevoir et qui fait que je peux être efficace quand j'ai un projet ou quand on me fait travailler sur quelque chose. Et tous les endroits où je rame, j'essaie de voir comment j'imagine que mes élèves vont ramer sur des endroits qui vont être similaires et d'autres, mais en tout cas sur cela, pour essayer de leur offrir ça et de effectivement inclure toujours les élèves dans la boucle pour réajuster en fait le cadre tous les 3 mois, tous les 4 mois avec mes élèves. Il y a un temps sur est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas. Alors il y a des fois c'est non négociable. Il y a des choses sur lesquelles je me justifie sur le fait que ça, je tiens à ce que ça reste en place parce que pédagogiquement, j'estime que ça apporte ça. Et il y en a d'autres, en fait, où c'est OK, je veux bien y réfléchir et je veux bien essayer d'ajouter une autre pierre sur une idée que les élèves soulèvent parce que souvent, ils ont plein de bonnes idées. Et comment les intégrer pour qu'ensemble, on soit dans une co-création de ça. Donc, peut-être d'avoir sur le prochain temps visio avec les élèves plutôt que de faire un cours, de les sonder sur... quelles sont les difficultés, quelles seraient vos idées de solutions, parce que on oublie
qui en fait ils sont super bons dans les solutions à proposer. Et là-dedans, de faire attention aux RGPD aussi, et puis de leur dire ça je prends pas parce qu'il y a ça, et puis de vraiment de réfléchir ensemble, ça pourrait être peut-être des choses qui pour moi, enfin c'est des choses qui pour moi sont importantes et que j'ai envie effectivement de vous partager. Voilà. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu dans le chat, tu as beaucoup de commentaires voilà, ouais. Sur ton travail, etc. Donc, je me joins à tout le monde pour vraiment te remercier pour ta générosité, ce partage. Donc, voilà, je m'excuse de t'avoir interrompu dans ta présentation, non, mais c'est vrai que je ne savais pas où tu en étais. Donc, je voulais juste m'assurer que tu avais une notion du timing. Normalement, t'as bien fait. donc voilà. Et puis non, vraiment super. Merci pour toute ta générosité, ta sincérité dans tes partages. Voilà pour l'attention que tu donnes à tes étudiants. Voilà. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Il y a une petite slide. Peut-être une petite chose. Si jamais vous passez par Lyon. Quand même, la slide est passée en vitesse. En tout cas, ma classe est ouverte continuellement puisque je fais partie du mouvement de la classe inversée. Donc, toutes les personnes qui voudraient passer, qui sont en passage à Lyon et qui voudraient venir voir, quand on reviendra en classe pour de vrai, comment ça se passe et pour sentir en fait voilà, cette ambiance un peu de ruche qui règne, c'est bienvenu. Et puis, à l'inverse, je suis formatrice et je me déplace dans les écoles, donc aussi bien sur sketchnoting que numérique. Donc, si jamais ça vous intéresse ou si jamais les écoles souhaitent me faire intervenir, je suis aussi disponible pour venir former en fait dans les établissements par rapport à tout ça en fait. Bah, super. Donc, du coup, Sophie Guichard, donc vous pouvez la trouver via le collectif Cartographie des Talents. Si vous cherchez dans le moteur de recherche, vous allez la trouver. Vous pouvez la contacter. Par ce biais-là, donc voilà, je ne sais pas si tu as donné, laissé ton adresse email, mais il y a aussi le forum, on a aussi un onglet de contact qui permet de te contacter, donc voilà, merci pour cette invitation, et puis ma foi, je vais vous dire à tous et toutes bonne fin de journée, et puis, j'espère qu'on organisera d'autres tours d'expérience avec autant de générosité prochainement. Donc voilà, c'était super chouette, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, tout le monde, à très vite. Eh bien, merci, bon après-midi et bon courage à tous en tout cas. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.